Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mon bullet journal du mois de décembre. Je crois que le dernier que je vous avais fait c'était au mois de mars. Après c'est vrai que j'ai pas changé grand chose dans mon bujo, donc je vous montre pas mois par mois, je vous montre vraiment de temps en temps. Mais le mois de décembre sera un petit peu plus rempli que les autres mois, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo avant d'entamer le 2020 qui du coup va un petit peu changer, et là aussi je vous filmerai que je change par rapport à celui de 2019. Il est bien rempli puisque nous sommes à la fin de l'année. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce bullet journal, j'arrive à avoir toute mon année à l'intérieur. Donc là, au début, j'ai plein de papiers importants, place de concert, fin de spectacle et tout ça que je dois aller, voir et tout. Donc ça me prend pas mal de place. Et donc, j'ai commencé à mettre le masking tape que j'ai choisi pour ce mois-ci. Je sors les stylos dont j'ai besoin. Toujours pareil, je prends le même thème pour le mois en fait. Donc là, je vais venir écrire le mois comme d'habitude. Quand on tourne, c'est toujours le budget. Donc je vous avais montré en mars que je l'avais bien réduit. Et voilà, je m'y tiens toujours sur une page. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc pour cette page, ça n'a pas changé, c'est toujours salaire, habitation, alimentation, voiture, esthétique, santé et autres quand j'ai des petites dépenses comme ça que je veux me garder. Mais je mets plus toutes les dépenses, c'est vrai qu'avec l'application maintenant on a tout sur le téléphone, mais c'est toujours pour avoir voilà, un peu une idée de ce qu'il faut prévoir pour le mois et surtout d'à peu près ce qu'on fait comme dépenses, alimentation, tout ça, et je verrai aussi ce qui changera l'année prochaine avec un bébé. Cette page, c'est toujours pour mes moments marquants. Mes moments marquants du mois, j'écris un petit truc, je l'entoure avec un nuage et ça me fait plein de nuages partout avec des petits moments que voilà, j'aime bien me garder en tête, relire et tout ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Et quand on tourne, on a toujours une double page que je laisse vide pour coller des petits post-it, des petits mots, des places de spectacle, de ciné, voilà, des choses comme ça. Et j'attaque ensuite le début du mois. Et voilà, vous voyez, c'est du vite fait, ça me prend pas beaucoup de temps. Normalement ici j'ai mon planning ménage, mais je le reprendrai qu'en janvier, puisque là depuis que je suis en congé maladie par rapport à la grossesse, le ménage, j'ai plus trop un planning qu'il faut que je suive. Je le fais vraiment tous les jours, un petit peu tous les jours, ou voilà, au fur et à mesure et tout ça, donc j'ai pas vraiment besoin de me noter un planning, ça me sert pas à grand chose. Par contre, je sais qu'avec voilà, la rentrée, l'organisation avec bébé, tout ça, sûrement que je vais le reprendre pour au moins voir à peu près que je me laisse pas trop déborder. Mais voilà, je l'ai un petit peu enlevé. Juste ici, je colle deux post-it qui vont me suivre même l'année prochaine. Deux choses que je dois penser à faire, mais pas forcément dans la semaine. Donc là, je vais déjà écrire des choses que je dois reporter ou des rendez-vous que je sais à l'avance. Donc là, je me note à peu près tout ce que je sais déjà à l'avance de ma semaine, et ensuite, jour par jour, au fur et à mesure, je rajoute
des tâches et je viendrai faire la croix comme d'habitude une fois que c'est fait. Du coup, quand je tourne, j'ai commencé à faire donc mes semaines, comme ça je suis tranquille pour tout le mois. Jusqu'à la nouveauté donc de ce mois-ci, j'ai fait une page, du coup il me restait quelques pages avant de terminer le bugeot. J'ai fait une page wishlist de Noël, donc tout ce que je veux pour Noël, enfin des choses que je veux depuis très longtemps mais que je m'achète pas forcément. Et voilà, je mets ici. Et ensuite j'ai décidé de faire une page gratitude avec tous les jours du mois. Et je vais écrire voilà, une gratitude envers quelqu'un ou envers moi-même, enfin quelque chose de positif en tout cas, une fois par jour. Et je trouve que pour le mois de décembre, voilà, c'est le bon mois à faire ce genre de choses. Et ensuite j'ai fait deux pages avec du masking tape, pareil de Noël, donc là c'est des bonhommes de neige. J'ai fait une page avec les cadeaux faits, donc je les ai écrits sur mon téléphone, hein, je vais les reporter juste après mais pas dans cette vidéo pour pas que les petits curieux regardent avant. On n'a pas tout fini, il nous manque encore quelques trucs mais on a quand même pas mal avancé. Et je fais toujours les cadeaux reçus, voilà, pour avoir des souvenirs et puis même quand je vais regarder mes anciens bugeaux, ça peut donner des idées de cadeaux aussi, donc j'aime bien me noter tout ça. Et vous voyez, je suis à la fin, il me reste une double page et cette page-là. Donc je vais voir si je rajouterai quelque chose ou pas, des petits trucs à coller, je pense, de Noël ou autre. Mais en attendant, voilà, ça m'aura fait pile poil l'année, donc je vais essayer de calculer pour que l'année prochaine, ça me fasse à peu près pareil. Même si je vais rajouter quelques pages, donc on verra. Mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà pour ce mois-ci comment je m'organise au niveau de mon bullet journal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous faites aussi un bullet journal, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans votre bullet. En tout cas ce que vous avez peut-être rajouté le mois de décembre ou quoi, ça peut me donner des idées pour mes deux dernières pages. Mais voilà, je garde vraiment le plus utile, le plus rapide, ce que je me sers le plus souvent parce que j'ai pas envie voilà, d'y passer énormément de temps. De toute façon sinon je le ferai pas. J'ai commencé avec un bullet journal très rempli avec des objectifs, des trackers, des trucs comme ça. Et voilà, je m'y tiens pas forcément et ça me fait trop, donc je préfère aller à l'essentiel. Après, il y a quand même des choses que je vais rajouter pour l'année prochaine, puisqu'avec un bébé, voilà, il y aura une nouvelle organisation. Donc l'année prochaine, ça sera aussi une année un peu test. Mais voilà, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo concernant mon bullet journal de 2020. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en refasse plus souvent ou si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas. Et puis sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !